Bonjour. Alors, aujourd'hui présenté Agatha Christie The ABC Murder, sorti le 4 février 2016, développé par Artpack Studio et édité par Microïds. Alors, c'est un jeu de point and click dans l'univers d'Hercule Poirot, pour ceux qui connaissent Mort sur le Nil, Le Crime de l'Orient Express, et il doit y en avoir d'autres, mais je ne me rappelle plus. Voilà. En tout cas, là, c'est sur l'affaire ABC Murder. Il est au prix de 14,99€. Il est solo, il a des succès Steam, des cartes échangées, le partage familial, la manette Xbox est complète. L'interface, l'audio et sous-titres sont en français intégral, comme ça on est tranquille. Voilà, écoutez, pas plus, pas mal, on va voir si ce point technique est sympa et si je vais bien m'en sortir. Allez, à tout de suite sur le gameplay. Bon, on se retrouve sur la page d'accueil du jeu. Il faut activer la manette pour qu'elle fonctionne. Sur le menu options. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Si vous entendez vague, alors je pense pas que vous l'entendrez, mais on sait jamais. J'ai mis mon ventilateur en fond à une petite vitesse parce qu'il fait très chaud le jour où je tourne cette vidéo. Et pourquoi il me fait apparaître toujours le truc de la souris? Et vous faites gnèchne. 18 juin 1935, appartement de Poirot. Normalement c'est en français intégral, on va voir. Du courrier pour vous, Poirot. Monsieur Hercule Poirot. Vous vous faites fort, paraît-il, de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Ah, c'est des Belges. Monsieur le malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc. Signé ABC. C'est un plaisantin. À 12, le titre cependant, du jeu. Cependant, pensez à tenir l'inspecteur principal Jap au courant. The ABC Murder, Agatha Christie. Ah, et le jeu est fait sous Unity, j'ai oublié de le préciser. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va être intéressant à jouer ou pas? Pour l'instant, je ne touche à rien. Est-ce que ça va faire un peu comme les Sherlock Holmes, celui que j'avais testé en tout cas? C'est ici, Poirot. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur Japp. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Je pensais qu'il était belge. Hercule Poirot, non? C'est moi qui rêve. Ou moi qui me suis trompé. Peut-être moi qui me trompe. Alors, c'est un jeu... Ah, ça me fait penser un peu... Ouais, j'allais dire les chevaliers de Baphomet. Ça, je connais un peu le genre. Ne traînons pas, Poirot. Jap doit nous attendre. D'accord. Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Vous avez raté le train de 9h? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, Andover est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. À quelle heure? Je vais vous dire ça. Profitez des moments où votre enquêteur est occupé pour observer. Vous obtiendrez des indices sur son état d'esprit. Ah d'accord. Trois indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Utilisez le signe pour orienter le regard. D'accord. Jap serait-il détendu? Cherchons les indices qui nous le prouvent. J'ai sourire. Je
Chapeau fièrement relevé. Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Ah. Le dernier client à avoir vu Madame Asher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose? Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre. Après, je ne connais pas trop l'univers de Hercule Poirot. Madame Asher. La cinquantaine, mariée mais séparée. Je connais les films, le mort du, les la mort du nid et tout ça, mais... Ah, mort sur Franz le Nil. Asher, le mari. Le crime de l'Orient Express, mais les premiers, pas les nouveaux. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Vous le croyez coupable? On va le trouver, ce Franz Asher. Et s'il n'a pas d'alibi, l'affaire est close. Oh, carrément, quoi. Un meurtre très quelconque. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Alors. Appuyez sur le D-pad pour ouvrir le menu d'enquête. Sélectionnez cerveau, carnet de notes ou objectif avec les boulons au bas du D-pad. D'accord. Inspecter la scène du crime. Le vol est-il mobile? Ici, vous faites fonctionner les petites cellules grises de Poirot. Mais on dirait un peu le... Oh, mais ils ont copié un peu le jeu Sherlock, non? L'objectif est de répondre aux questions qui se posent en établissant des liens entre... Ah, d'accord, c'est bien, un peu ça, je crois. Ah, c'est la même chose. Le seul que j'ai testé de Sherlock Holmes. Alors... Voilà. Ce primeur est aux premières loges. Un employé a peut-être remarqué quelque chose. Oui. Flûte, une flaque d'eau. Quelle maladresse, hein. Ah. Ah, il va pas. Ah si, je vais dire. Cet endroit est glauque. Boutique vidéo à louer. Ah. Façade décrépite. D'accord. D'accord, il manque un indice. Ok. En plus, je suis pas très bon pour les jeux d'enquête, moi, au final. Bon, après, je vais servir à quoi m'attendre, mais bon. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a plus rien à observer. Ah, mais j'ai pas pensé à regarder là-haut, non? Bah non. Bon bah je vais reparler aux gens. Flûte, une flaque d'eau.
Quelle maladresse, hein. Encore? Ça fait deux fois qu'il marche en feuille d'eau. Il est nul. Je vous rejoins dans un instant, Poirot. Ah, super. Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Bon, bah... Ah! C'est quoi ça? Ah, on peut y aller alors! Ah! Ça m'avait pas fait la main. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer, c'est un ABC. Ah, fameux ABC. D'accord. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Comment tu peux le savoir, puisque tu n'as pas de poudre magique? Il y a du sang. Hein. Un liquide rouge suinte. Est-ce du sang? J'espère que non. Ah non, c'est des fraises. Non, ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Ah, il me reste un truc à trouver. Ah, il me reste un truc. Je l'ai fait déjà. Un liquide rouge suinte. Non, ce ne sont que des fraises qui... Mais c'est bon, on a compris, t'as besoin de répéter ça, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir que j'ai pas vu? Ah si, trace de main. Ah oui, trace de main. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. C'est LA Noir. Elle a un paquet de cigarettes Plays à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant? Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Ah, et ça veut dire quoi, monsieur? Monsieur le détective? Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. Le corps est masqué par le comptoir et invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Madame Asher s'était absentée. Mmh. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. La porte est fermée à clé. Et du coup, il me faut la clé, non, c'est ça? La porte est fermée à clé. À clé, clé. À clé, clé. L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Ah, pas de trace au sol. Ah, Ah, il manque des indices. Il manque un indice. D'accord. Ah. Elle est pas vue, ta.
Des objets gardent des secrets derrière des mécanismes complexes, à vous de les déchiffrer pour découvrir ce qu'ils cachent. C'est l'objet sur tous les angles, ainsi qu'un objet gauche. Zoomer en appuyant sur LT, quand l'icône de la main pointe un élément, dézoomer en appuyant sur B, certains éléments se meuvent quand l'icône de la main attrape un élément. Ouais, d'accord. La caisse enregistreuse semble intacte. Je devrais m'assurer que rien ne manque à l'intérieur. C'est là. Ah, un mécanisme vient d'émettre un léger claquement. La caisse est pleine d'argent. Mais il y a quelque chose d'étrange. Le 2, le moins 2, moins 2, là. Quelque chose est caché en dessous. Quelque chose est caché en dessous. Ah, en dessous. Ah non, on peut pas, attendez. Ah, on peut pas. Quelque chose est caché en dessous. Oui, je veux bien qu'il se cache là-dessus, mais j'essaie les copains de comment on fait pour revenir en arrière. Attendez. Ah, on est en dessous. Nounouille. Ah. Ah, attendez. Ah non, je croyais qu'on pouvait prendre les pièces. Moi, qu'est-ce que c'est que cet énigme? Il y a un truc à faire. Quelque chose est caché en dessous. Oui, je sais, je sais. Je sais, j'ai compris, j'essaie de trouver. Il y a un truc à faire ici, à mon avis. Ah, attendez. Il faut que je trouve le code. Ah, attendez, oui. Il y a un 8, un 2. Ah, ça finit par un 2. Ah, puis 8, 5, 2. 8, 5, 2. 8, 5, 2. 8, 5 et 2. Je pense que c'est mieux, ce sera peut-être mieux à la clavier souris, parce que là, ça, c'est un peu embêtant, ça. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. C'est pas terrible à mettre, je trouve. Ok. Sélectionner. D'accord, bon, on va essayer de trouver. Je lis pas, je vais chercher pendant 2 heures. La porte est fermée à clé. On peut pas la faire automatiquement. Il manque tel objet. Qu'est-ce que ça? Alors. Qu'avons-nous ici? Ouh, du sang. Du sang. Alice Asher saignait-elle du nez? Ah. Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt, forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Asher. Franz Asher. Les époux Asher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. Ah. 12 points d'ego, c'est-à-dire quoi? Oh là là, c'est un truc de réflexion. Une si jolie décoration devrait se trouver au centre du motif pour respecter la symétrie. Ah là là, ça me saoule déjà.
Ah, on peut pas reprendre la souris, super. D'accord, mais du coup, là, c'est pas la peine que je mette là. Alors, attendez. Ah mais peut-être que lui aussi il peut je peux le bouger aussi. Non, je peux pas le bouger. Je me dis c'est trop facile. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Ah ouais, d'accord. Bon. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Je sais, c'est plus difficile de comprendre. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Je sais, pas besoin de le répéter. Oh, c'est pas pratique la là. La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Ta gueule! Ah non, merde, c'est pas ça, j'étais pas loin. On peut pas le tourner, lui, c'est vrai. Si je mets lui là, est-ce que c'est... La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Ta gueule! Ah là. Ah j'aime pas, j'arrive pas avec la... Oh, attendez. Ah. Ah on peut pas revenir, on peut pas revenir avec, avec le clavier souris. Non. On peut pas revenir avec le clavier souris. Zut. Bon c'est pas grave. Parce que c'est comme ça, parce qu'on peut pas, on peut pas bouger autre chose. Après, il y a plus rien qui, il y a que ça qui va. Que tu mettes l'un ou l'autre, c'est pareil. De toute façon, après, s'il faut que je trouve, c'est celui-là. Lequel mettre là? La fleur en bois empêche le cerf. Je sais. J'ai compris que c'est la séance. Mmh.
Ça peut être que là, hein. Ah, ça y est. Ça y est. Sans tricher. Je n'ai pas triché. J'ai failli. Allez voir la solution. Non. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi. Je veux pas savoir. J'aime pas l'ergonomie, elle est pas terrible avec le manette. C'est bloqué. Ah. C'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Non, elle a compris que c'est bloqué, je vais dire. Bon, j'ai débloqué, mais c'est bloqué. Non. Oh non, il faut que je recommence. Non. Eh, sors de là. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah. C'est bloqué. Mais non, c'est pas bloqué. C'est pas bloqué. C'est bloqué. C'est pas bloqué. Pas bloqué. C'est bloqué. Bon, ben tant pis. Non, ben, ça sert à quoi que je débloque alors si c'est bloqué? Ah. Faut faire quoi? Et alors? C'est quoi cette énigme là, con? Et alors? C'est quoi l'intérêt là? Mais je sais même pas ce que je dois faire. C'est bloqué. Bon, faut jouer avec le clavier souris, je vous le dis, parce que là, l'ergonomie, je sais pas encore tester parce que c'est peut-être pire, mais là, c'est horrible. L'énigme là, elle est horrible à faire en. Ça sert à quoi? Ce qu'il faut faire. Du coup, je dois recommencer. Et alors? Hein? C'est bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Je viens de comprendre! Oh là là, il faut aller voir des là en fait. Ces dessins-là semblent fixés à la commode. Ah ils ouais! Ils ne bougeront pas. Ok, j'ai compris, ça y est. Oh, il fallait le voir ça. C'est compliqué, hein? Oh, souris, mais la manette. Ah, mais j'aurais pas dû prendre la manette. Hein. Ah, le horrible, c'était une manette. Bon. Voilà, après faut. Oh que c'est horrible. Ah le maniement est horrible. Attends, c'est horrible aussi à. Ok les souris. Hein. Donc tu es droit. Celui-là, il regarde vers là-bas. Ah bah, j'ai pas fait exprès. J'ai dû mettre l'autre bon.
Ah, enfin, je peux regarder. Eh ben! Oh! Wow, mais faut faire tout un 360. De Monsieur Adam Flint Royal Bank, Eastfield Road, Andover, à Madame Alice Asher, 5 Bishop Road, Andover. Chère Madame Asher, suite à votre demande du 12 février 1935, j'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt pour l'acquisition des murs de la boutique que vous louez actuellement à Mr. Fairfax. Malgré le sérieux de votre dossier, je suis au regret de vous annoncer que votre requête a été refusée. Le montant de votre apport, 11 livres, n'est pas assez élevé et ne représente qu'une part trop infime de la transaction finale. Je reste à votre disposition pour toute question. Adam Flint. Les maigres économies de Madame Asher ne lui permettaient pas de devenir propriétaire, mais couvriront largement les frais de ses obsèques. C'est quand même une bouteille de poison, ça? Des médicaments. Ah, des médicaments. Antitussif à base de laudanum. Madame Asher, Andover, laboratoire Morley, Londres. Antitussif, c'est la poule à tout, ça. C'est étrange de trouver un médicament aussi élaboré d'un grand laboratoire londonien chez une femme aussi modeste. Mais il est anglais, alors que je croyais qu'il était belge. Hein. Peut-être confondu, quand même. J'y cru. Bon, c'est bon, on peut laisser tomber là, parce que là, ça m'a un peu fatigué. Quelle étrange boîte. Oh non, c'est vrai qu'il faut faire coulisser les lamelles de bois. Non, non, pas d'énigmes encore. Non, pas des énigmes. C'est nul. Ah, t'as que c'est juste ça. J'espère. Ah oui. Ah. Il semblerait que ce bouton active un mécanisme. Ah, d'accord. Ah. Ah, là. Eh, c'est compliqué, hein. Je peux entendre d'avoir de l'argent dedans parce que. C'est bloqué. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Et gna gna. Après, tu débloques où là? Ah, mais là. Bah non. Alors je peux pas dire comment est le jeu à la clavier souris, mais à mettre, c'est une horreur. Ah, il y avait un bouton. Cela devrait suffire. J'espère parce que. Hop. Ah, c'est comme ça. Ah, bout d'oreille et photo. Ah oui, il faut aller voir. Peut-être cette jeune femme. La fille cachée. La fille cachée. Et ah. À ma chère tante Alice, Mary Drower. Alors c'est une dame. D'accord. Vous avez trouvé quelque chose? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. Ah. Une nièce. Ah, on n'a pas vu, il y avait un autre truc dedans. J'en ai terminé avec cet objet. Ah, oh, le bout d'oreille. Ah. Que je suis jobo. Je l'avais dit. Du thé. Ah non. Cet intérieur est très simple.
assez modeste. Vieux poil. Et eau potable, ça? Simple robinet, d'accord. Portrait, ça sert à rien, ça on l'a déjà vu. Bon, ben on va voir. Alors, est-ce qu'on peut déjà coordonner des indices? Non. Non plus. Ah, le vol n'est pas le mobile du crime. Ah, le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a pas été forcée ni vidée. Ok, bon déjà ça. Trouver un premier Andasa. Ça, ça c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour avoir. Après j'ai rien d'autre. Manque on a un de ça. Pourquoi j'ai tout fouillé hein? D'accord que c'est le sang ça. Ouais, le sang, la photo. Ah, attendez. Non, oui, ça je l'ai fait. Oui, je l'ai vu dessous. Il y a marqué. Ah, attendez, j'ai pas trouvé. Non, des danses. Un truc sur le sol que j'aurais oublié. Des pantoufles. Il n'y a pas une autre pièce cachée, non, on s'entendrait parce que je pense pas qu'elle soit assez grande la pièce. Ok, bon, bah c'est bon. On prenait ça, on a trouvé pas mal d'indices. On va essayer de finir quand même. Ah. Et si on va finir cette enquête, voir. Alors. Non, on a tout trouvé. Hein. Là, on a tout trouvé. Hein. Yes. Bon, on va sortir, hein. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut trouver là. Peut-être aller voir le... Ah, il faut déjà aller voir si on peut pas interroger les voisins. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, alors, pas que à la manette, c'est un peu relou. Oh, on peut pas interroger. Pourquoi il dit qu'on peut... Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Ben non, on peut pas en fait. Est-ce qu'on peut leur reparler à lui? On peut pas y parler. On peut pas aller à lui. On peut pas aller là. Non. Et... Flûte, une flaque d'eau. Oui, bon, on a compris. Bon, après, c'est un peu relou, toujours la même chose. Hein. On a compris, il a marché une flaque d'eau, c'est bon. Et comment je fais là? Mais que dois-je faire pour trouver d'autres indices? Il y a des rats qui passent, c'est cool. Bien, bien. Ah, il n'y a plus le jambon. Ah, un timbre bizarre. Le problème c'est que si je peux pas parler au mec et que je peux pas... Ouais, ça me dit pas comment trouver d'autres indices là, j'ai fouillé tout fouillé. Pas me dire. Flûte, une flaque d'eau. Bon, c'est un peu relou tous les mêmes gags là. Ah, je peux même pas y parler. Bon, sinon, ça s'arrêtera là, on aura déjà vu une petite partie, hein, tant pis. Je verrai de mon côté. Hein. Parce qu'on doit appeler la nièce, mais la nièce est toujours pas arrivée. Eh, j'ai tout fouillé, je sais pas. Ah, j'ai tout fouillé là. Ah, à moins qu'il faut faire un truc du style. Ah, ça. Ah, ben, inspecter la scène de. Ah, il faut que je réinspecte la scène de crime, mais je l'ai déjà faite. Ben.
Ils feront respecter la scène de crime. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. Ben je sais, tu l'as déjà trouvé tout ça. Pourquoi il me redemande d'inspecter la scène du crime? Inspecter la scène du crime, inspecter la chambre et rejoindre le Jap. Inspecter la scène du crime, ben c'est fait. Et quoi de plus? Ça, j'ai pas il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Eh ben je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il raconte toujours? Je l'ai fait aussi ça. Hein? Le droit est étrangement bien ordonné pour le crime. Tu prends pour un con, je l'ai fait ça. Pourquoi il m'a pas validé? Attendez, il y a un bug? Ah ouais, mais il y a un... Le droit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Attendez, il y a un bug. Ah, le truc qui se valide pas. C'est un bug ou c'est il y a un souci avec le jeu là? Ouais. Et alors? Ah, mais je peux rien faire d'autre. Ah, ça se valide pas. Donc en fait, ça valide pas la quête chaque fois. Ah bah super. Ah bah c'est cool. Ah bah c'est génial, tiens. C'est pour ça qu'il manque un indice. Ah bah c'est cool. Bon bah vous savez quoi, je vais m'arrêter là, je vais voir, je regarderai pourquoi ça va pas fonctionner. Ça aura des chances, je le refais. Oui, c'est bien, allez au revoir. Est étrangement bien ordonné pour une... On s'en fout, allez casse-toi. Ils sont tes nuls. Ouais, bon bah je vais m'arrêter là. Bah, on va, pour ça je vais taper sur un bug, parce que je vois pas pourquoi ce que ça représente. Ça va pas valider la clé. Il y a pas plus à faire, il y a juste à regarder. Sinon, ça l'a fait surtout. Il y a qui était... Non, la chambre, je l'ai faite. C'est bizarre, ça. Ah, ça me fait comme si c'était pas... Oui, tu me l'as dit 10 000 fois. Ouais. Ouais. Eh ouais. Eh ouais, ça le valide pas, hein. Allez, hop. Ah bah super, c'est cool. Bon bah je vais m'arrêter là. Bon voilà, c'est un petit jeu d'enquête qui a l'air sympatoche, mais bon, si ça commence déjà à avoir des trucs comme ça où ça marche pas. Écoutez, moi je vais taper sur un bug, j'irai voir quand même, s'il faut je vous dirai dans les commentaires pour ceux qui me demanderont. Voilà, bon, ça a l'air sympatoche, ça a l'air, bon c'est un point and click classique. Après j'aurais bien aimé résoudre l'affaire avant de m'arrêter la vidéo. Mais ce sera peut-être pour un prochain jour, sauf si je n'ai pas envie de le faire. Allez, je vous dis... A plus et au revoir pour une aventure sur votre jeu très très différent. A plus.